Le château du jeu, le château du roi, le château où on va aller chercher les compos. Ce château-là, mais oui, ce château-là. Abracadabra. Et au fait, qu'est-ce qu'elle a raconté, Marteline? Rien probablement, mais quand même. Non. Non, ils s'en foutent complètement qu'on ait abattu l'autre, le golem. Ça ne les aime pas. Non. Oh, c'est bien, ouais. Ouais, bon boulot, bravo. Bye bye. Genre super. Ouais, cool. Cool story, bruh. Il était pas là, le petit gars. Si. Mais j'imagine qu'il va vouloir les mêmes. Ah, il y a quelqu'un qui sait nous la prendre. Oh. Ok. Bon bah ça va en fait. Il faut juste qu'on le trouve. Je suis pas tombée dessus alors. Il faut qu'on trouve un marte-brun qui peut nous apprendre à faire. J'avais complètement zappé ça. Il avait déjà dû nous l'expliquer. Ah mais il avait déjà dû nous l'expliquer que c'est un marte-brun qui peut nous apprendre à faire des pierres tombales, mais j'avais certainement dû oublier parce que il se passe beaucoup de choses dans le jeu. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment apprendre la recette. Je ne peux pas subtiliser des pierres tombales avec cette magnifique croix de fer. Cette esquive. Oups. Alors, pourquoi est-ce que je reviens au château? Paf. Pour m'éclater les genoux. Est-ce que je peux récupérer ça? Ouais, j'ai un candélabre. Il me faut. Est-ce que c'est ça? Ça c'est une tenture, je vais quand même les ramasser, mais. Alors vous allez me dire, mais fais-toi un support. Non. Ça doit être celle-là. Effectivement, c'est complètement ça. Hop là. Zwibidi boum! Alors, je sauvegarderai juste après. Euh.
Oui. Bah, il y a la place là. On dégage. Voilà. Voilà. Une salle du trésor, reproduction joliment meublée de la salle du trésor royal du château de Tantagel. Les habitants construiront du mobilier et des objets et les placeront dans le coffre. Voilà, ils vont faire encore plus de mobilier. Applaudissez-moi. Oui. Oh, laisse pas cher, non! Waouh! Ah, je me mange la porte, j'adore ça! Bien, bien, bien. Le machin là. Alors. Maintenant, pour le trouver, le gars en question. Voyons, on va peut-être essayer par là-bas. Alors, à mon avis, il est dans un endroit où je suis pas allée. Je pense, à peu près. Je pense qu'en explorant une piste où je suis pas allée, ou alors où je suis pas beaucoup allée, ça me paraît être un bon début. Je vais ramasser un peu les cactus, hein. Je n'avais pas beaucoup des cactus. Pendant qu'on me casse la gueule. Ah oui, plus de chaînes, c'est pour Roche. Pour Magus aussi, faudrait que je lui en remette. Faudrait que je lui en remette des chaînes. Ça doit lui manquer. Après tout, on l'a trouvé dans un donjon. Tous les petits blocs qui traînent par terre. Alors, où qu'il est ce petit bonhomme? Palalala, palapapa. Mais oui, c'est le cuir moustache. Faut que je fasse qu'elle va pas tomber. Petit bonhomme. Je prends des chemins discrets pour pas me faire repérer. C'est joli là, le petit décor couché de soleil sur fond de pyramide, c'est très chouette. Ah, c'est joli. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de captures d'écran de Dragon Quest Builder. J'ai pas bien exploré la forêt aussi, ça se trouve vite dans la forêt. Même si pour l'instant la plupart des marteaux qu'on a rencontrés étaient plus souvent... Ah mais je crois qu'il est juste là-bas, je crois que je viens de le voir. Ils sont plus souvent en hauteur, peut-être que celui-là est dans la forêt. J'ai l'impression d'avoir vu un truc orange là-bas, ça se trouve c'est juste des champignons ou des slimes, mais... Non, ça va être des champignons. Mais on va quand même aller voir. Je ne peux pas poser de blocs dans l'eau, j'imagine. Ouais, une force étrange. Je peux faire un pont. Oh, j'ai pas le droit de faire de pont. J'ai pas le droit de faire de pont. C'est le pompon. Ouais. Pompon, ouais, pompon, ouais, pompon. Bonjour, y a-t-il un petit bonhomme qui désire m'apprendre à faire des pierres tombales? Peut-être là-dedans. Construction suspecte. Bonjour. Est-ce habité? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vous battre? Non mais foutez-moi la paix, bande de méchants.
Ouais, bah on a battu le golem, hein, mais ils sont toujours aussi agressifs, les monstres. Hein. Je me sens un peu arnaquée. On avait dit, oui, les monstres, ils sont méchants parce que y a un boss. Sous-entendu, s'il n'y a plus de boss, ils sont plus méchants, mais absolument pas. Je veux dire, le ciel est super bleu, on devrait avoir le droit de se balader la nuit sans se faire attaquer. Oh. Il faut que j'essaie de gigoter. Non. Ça marche pas, la technique de je gigote pour gagner quelques centièmes de pouillèmes de centimètres pour aller plus haut. C'est quoi ça? C'est un caillou par terre. Je vais atterrir sur la vampivole. Il y a plein de champis par ici, mais je ne vois pas de machin. Je sais plus son nom. Marteau brun. Marty brun. On va le trouver, on va le trouver. On va le trouver. Peut-être il est en hauteur là-haut, je vais aller voir. Quoique c'est vrai qu'il y en a qui étaient souvent en bas aussi, celui des tombes justement, il est tout en bas. Est-ce qu'on a été là-dedans? Tiens, je sais plus. Mon avis, non. Non, on n'a pas été là-dedans, mais il n'y a pas de bâtisseur. Pas de bâtisseur, mais de petits bonhommes. Je pense que les monstres aussi ont des dégâts de chute, ils se font mal tout seuls, les pauvres. On a un atelier dans le coin. Y a-t-il quelqu'un dans le coin qui s'en servirait? Même si je doute qu'ils utilisent ça, les frères marteaux. Ah, est-ce que c'est lui? Non, il bouge. Donc lui, c'est un ennemi. Ah oui, en plus, c'est vrai, c'était là où j'ai fait le petit pont pour passer plus rapidement. Donc lui, c'est un méchant. Un méchant, méchant. Ce son, il bouge pas. Il reste sur place. Mais où est-il? Un autre petit truc pour fabriquer. Ou c'était le même? Oh putain, j'ai faim! Oups! Je ne sais pas ce que ça fait d'ailleurs d'avoir faim, mais mon personnage avait grave la dalle. Dans le désert de Damdara. Bah c'est pas ici? Je croyais que c'était là le désert de Damdara, moi. Je pensais que c'était là parce que comme il y a le désert ici, je pensais que là c'est le désert. Bah oui, bah peut-être que du coup, faut que je retourne dans le désert, effectivement. Là, c'est pas... Là, c'est plus du désert, c'est vrai. Bah du coup, ça veut dire qu'il est au chapitre plus loin, quoi. Pas forcément, peut-être qu'il n'est pas forcément dans le 2 d'ailleurs, mais il n'est pas dans ce chapitre-là, quoi. En gros. T'avais pas vu que j'étais dans cette zone. T'es allé pisser. Oh! Alors si, c'est bien le bon endroit. Faut juste que je le trouve. Bon, où qu'il est ce con? Je vais lui casser la gueule.
Je devrais mettre de l'eau empoisonnée chez Roche. Non, je commence à être méchante avec lui. En plus, non, ça va. Là, il commence à être potable vu qu'il s'est rendu compte qu'en fait, le pouvoir de l'amitié, ça va mieux. Ces deux cavernes-là, je crois que j'étais déjà explorées, mais dans le doute. Des fois qu'ils soient cachés. Donc là, j'étais venue casser du truc. Le voir. Ah mais je suis peut-être jamais allé là. Ah mais ah d'accord, c'est la même grotte. Donc j'imagine que je suis déjà allé là aussi. Bon, alors. Je commence à en avoir marre de chercher. Dragon QS Suto Biluders. Biluders. Pierre Tombale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit où c'est? Je veux juste savoir où c'est. Il est dans la zone où il y a les arbres normalement. D'accord. Ouais, apparemment c'est ce que je viens de trouver. Il faut que je cherche un endroit mais qui est un petit peu éloigné en fait. Donc il faut en fait remonter par là. Donc je suis dans le bon coin. Et après il faut chercher. Ouais, c'est ça. Apparemment, ouais, faut marcher dans l'eau à un moment. Donc c'est pas évident à trouver. Hein. Et il faut qu'on trouve un endroit où on peut marcher dans l'eau. Et il sera par là. Ouais, je vais faire ça, ouais. Je vais mettre la vue en hauteur. C'est peut-être par là-bas. C'est peut-être par là-bas. Non, parce que là, par contre, j'aurais... Là, pour le coup, ça, c'est un truc... J'ai essayé de chercher par moi-même, mais après, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Après voilà, si je streamais pas le jeu, je pense que j'aurais cherché longtemps. Mais là, comme je stream le jeu, au bout d'un moment, je peux bien trouver en fait. J'ai un peu moins de patience parce que je me dis, oh les gens ils vont s'emmerder. Je vais grimper là-haut. Ce que je vais faire, attendez, je vais poser des magnifiques blocs de terre, voilà. Mais non, pas en bas, en haut. En tout cas, ouais, là c'est vachement plus dégagé, c'est beaucoup plus joli. Là, on n'a pas l'air de pouvoir marcher. Ah! Ah non, rien du tout. Je croyais que c'était là-bas. Je croyais qu'il y avait une grotte souterraine dans l'eau, mais en fait, non, pas du tout. J'ai rien dit. Pas de. Ah! Qui tienne. Genre je croyais que c'était sous ça, mais en fait non, c'était les reflets de la nuit. De la nuit du coucher, du soleil, du couchant. Attendez, je vais essayer de revoir le truc. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut que je trouve... Attendez, il y a un truc là, j'ai trouvé un truc. Alors... Hop, je regarde, j'ai trouvé vite fait une petite vidéo. Alors, c'est où? Donc ça c'était près de la prison. Je pense que je suis peut-être partie trop loin dans la forêt. C'est près de la prison.
Oh là là, j'ai pas vu cet endroit. Je pense que je suis partie du mauvais côté. Je pense que je suis partie du mauvais côté. Les maps sont pas toujours les mêmes. Ah ouais! Y a pas de hack qui tienne. Ah! C'était peut-être plus par là-bas en fait. Ouais, normalement c'est par là-bas de ce que j'ai cru comprendre. En fait, c'est plus par là que par là où j'allais. C'est plus par là que par là. Et ouais. Et ouais. C'est plus par là que par là. Tout à fait. Tout à fait. Bon, maintenant il fait nuit, donc on s'emmerde. Ça va être chiant. Je croyais qu'il y avait un truc qui fumait, mais non, c'est les ennemis qui font des petites bulles quand ils dorment. Mais c'est cool par contre, si les îles diffèrent un petit peu, ça permet quand tu refais le jeu d'avoir des petites différences, c'est chouette. C'est chouette. Alors. C'est ça, c'est là-bas en fait. J'étais partie du mauvais côté, forcément. En même temps, j'avais une chance sur deux. J'essaie de tout découvrir avant de passer à l'acte 2. Pas forcément tout découvrir, mais là, c'est vrai que ça, c'était une petite quête, même si on n'a pas vraiment le journal de quête, et d'ailleurs, c'est dommage. C'était une espèce de requête qu'on nous avait demandé, et je voulais la compléter. Mais c'est vrai que je glandouille un petit peu avant de passer au deuxième acte. Ah, bah voilà, c'est ici. Bonjour. Qu'est-ce que je peux te piquer? T'as des bouteilles? Oh, t'as des bouteilles? Je peux te piquer des bouteilles. C'est pas flagrant comme différence non plus, c'est juste l'emplacement des grottes, tout ça. Ouais, mais c'est déjà sympa. C'est déjà bien comme différence, quoi. Bon, oui, je vais vous casser la gueule. Voilà, non mais. Oh. Ça suffit, hein, à un moment. Cette agressivité, là. Oh. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre sur l'île, à part ces putains d'ennemis. Non ! Salopio. Putain la vache, 30. Mais vous allez vous calmer le cul. Mais arrête de marcher sur les... Faut que j'arrête de marcher sur les ennemis, hein. Non. Oh. Alors. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui peut bien amener un être humain sur ma petite île? Tu ne manques pas de cran 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 pour t'aventurer ici toute seule, ma petite. Je ne suis pas un de tes petits copains marteleurs et génial, moi. Je suis un grand méchant martelin et on déteste les humains. Maintenant, hors de ma vue. Attends, humaine. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour honorer la mémoire de tes amis humains décédés, quand même. Parce que si c'est le cas, je peux t'apprendre à fabriquer toi-même des pierres tombales pour eux. Mais ne va pas te faire d'idée. Je déteste quand même les humains. Alors écoute bien, parce que je ne le répéterai pas. Cool, je sais maintenant faire ça. Oui, hein, on passe de 10 cm de fond à 100 mètres, c'est... Tu te rappelles encore comment on fabrique des pierres tombales, humaine? Tu croises un tas de vieux ossements qui traînent au sol, enterre-les, place au-dessus, une jolie pierre tombale. C'est la meilleure chose à faire, et comme ça les morts seront contents, alors pense-y. Mais pourquoi tu traînes encore ici? Je déteste les humains, tu te souviens? Alors du vent! Oh, et fais attention à toi aussi, j'ai compris. Oh, c'est vrai que j'aurais peut-être dû enterrer les ossements au lieu de les casser à chaque fois. Oh oui, oui, moi je fais attention à mes amis, moi je les... Alors, c'est quoi la recette de la pierre tombale?
Ils veulent pas un bouclier de... Des pierres. Ça va. C'est bien. C'est bien. Allez, faisons. Je devrais mettre une pierre de mal sur roche. Non, je vais arrêter de m'acharner sur le... C'était un peu le running gag, mais si on passe au chapitre 2, peut-être qu'on aura pire que roche. Ah, qui sait. Il nous en faut deux, donc. Me semble. Je vais en faire 3 dans le doute, comme ça, au moins... je serai sûr d'avoir ce qu'il faut. Je vais regarder ce qu'ils ont fait. Ils ont fait... Ils ont ramassé des plumes. Très bien. Est-ce qu'ils ont fait des trucs? Ouh! Ils ont fait des fenêtres de pierre et un présentoir à équipement. Je vais peut-être faire une armurerie avant de partir, juste pour le fun. C'est là. J'avais vu ça, je crois, dans la vidéo. Bon, là, je m'étais spoilé, oui. J'étais curieuse de voir la base de Nicole Kim. Mais promis, sa prochaine vidéo, je la regarderai pas tant que j'aurai pas fini, parce que sinon, je me spoil. Dangereux ce trou, je devrais peut-être le repoucher un jour. Ou alors je vais peut-être construire... Non, je voudrais changer mon jardin. Je voudrais changer mon jardin. Parce que j'ai vu, on peut faire apparemment un jardin spécial. C'est le jardin de Cantelin. Et j'aimerais bien faire ça. Ça a l'air chouette. Oh, le squelette s'est fait mal. Dégage. Oups. Waouh, tu as réussi. Le cimetière est comme neuf. Oui, bah, par contre, les murs sont un peu moches, mais... C'est donc comme ça qu'on va voir avec des pierres tombales. Ça paraît tellement évident maintenant. J'aurais dû me servir de mes mains, pas de mon marteau. Tu sais, Lulu, quand j'étais encore qu'un bébé marteleur, je me suis perdue dans le désert de Damdara et j'ai cru que j'allais mourir de faim. Mais j'ai été sauvée par un humain très gentil qui m'a ramenée jusqu'à Cantelin. Depuis cette époque, je cherche un moyen de remercier les humains de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai pas pu empêcher les monstres de vous attaquer, mais j'ai compris que je pouvais honorer ceux qui n'avaient pas survécu en leur offrant une vraie sépulture. Tant de gens sont morts, je ne sais pas combien de temps il me faudra pour enterrer chacun d'entre eux. Mais nous autres marteleurs vivons bien plus longtemps que vous, les humains. Je ferai en sorte que vous reposiez tous en paix un jour. Merci Lulu, tu m'as donné une nouvelle raison d'apprécier les humains. C'est triste, en même temps il est trop mignon. Nice. Alors, mon jardin, si je veux en faire un joli jardin, le banc gel et fleurs x10, ça il faut que je sois sur place pour voir. Ah mais ouais, mais non, mais il faut des blocs d'eau. Bon bah je laisse tomber, je ferai ça plus tard. Flemme. Bloc d'eau, c'est relou. C'est relou. Puis en plus, j'ai que de l'eau en bas, donc il faudrait que je ramène le truc, c'est chiant. Je réfléchis quand même un petit peu en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen éventuellement de trouver un truc sympa? Faut que je réfléchisse. Voilà, c'était compliqué de sortir. Le problème c'est que là j'ai de l'eau mais elle est vachement basse par rapport à ma ville. Euh...
Pareil, là, c'est vachement bas. Puis là, après, il y a plein d'eau, mais... elle est vachement bas aussi. Bon, je pense que je vais laisser tomber... Je pense que je vais laisser tomber l'histoire du jardin tant que c'est pas plus pratique, hein, parce que honnêtement, là, pour ramener de l'eau, faudrait que je creuse, ou alors faudrait que je fasse un trou. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je déplace le jardin. Et le seul endroit où ce serait bien de le faire, ce serait là, mais c'est chiant. Ou alors il faudrait que je le fasse en souterrain, mais je commençais à bâtir ma ville en hauteur, moi, donc ramener l'eau là-haut, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait que je bouge le jardin. J'envisage quand même le truc, hein, mais... Ouais, non, flemme. Flemme! Oh là là, j'ai déjà 18h. La vache. Bien, 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 bien. Je vais ranger mes conneries au coffre. Ouais, non, c'est dommage pour... Je range ça ici, je m'en fous. C'est dommage pour... Je vais y arriver, je vais y arriver. L'eau! Voilà. C'est dommage pour l'eau. Hop, je vais refaire quelques baumes de soins. Voilà. Je vais les choper à manger. Des petits pains! Voilà. Alors. Donc nous, on est censé aller par là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, je vais faire un petit BRB vite fait, je vais me chercher à boire, tout ça, tout ça. On va continuer, je pense, on va se lancer dans le chapitre 2. Je vais pas non plus passer 3000 heures sur la déco, ça c'est... je me suis renseignée en fait, vite fait, sans trop me spoiler, pour savoir si, si c'était sûr de pouvoir passer en fait plus loin. Il existe un espèce de mode, apparemment, où on peut construire sans fin. Donc, éventuellement, je sais que si je veux prendre le temps de construire plein de choses, je pourrais faire ça là-bas, dans l'endroit où on peut construire sans fin. Là, je pourrais faire d'autres trucs, mais c'est vrai que comme je sais pas faire là les machins avec l'eau, tout ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Est-ce que vous pensez, ceux qui ont fait le jeu, alors surtout toi, Nicole Kim, du coup, est-ce que j'ai manqué des recettes importantes dans le chapitre 1, ou est-ce que ça te semble pas mal, là, niveau progression, pour savoir si je peux... quitter sans regret, ou s'il faut que je retourne vite fait chercher un ou deux trucs. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que... sans parler du côté... oui mais non, faut construire. Ça, je construirai plus tard. Oh, y a une jolie lumière dehors. Jolie et étrange. Fushigina. J'attends sa réponse. J'ai presque tout. Bon, ça me va comme réponse.
Je pense que ça me va comme réponse. Donc on va peut-être pouvoir passer. On va pouvoir passer, je pense, au truc. J'imagine que la plupart des trucs que j'ai pas trouvé, ça doit certainement être des aménagements particuliers pour certaines pièces ou des conneries comme ça, je pense. Mais bon, ça, la limite, ça viendra plus tard en testant des trucs. Alors éventuellement, oui, je voulais faire l'armurerie. Bon, allez, on va faire l'armurerie à la limite avant de partir. Et puis voilà, comme ça, hop, il me manque la lampe coquine. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, quoi, ça existe vraiment? Attends, quoi? Lampe coquine. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah, apparemment, ça m'a l'air intéressant. On va aller par là, attendez. Juste avant, je vais quand même faire un petit BRB, parce que, comme je disais, j'ai quand même soif, et j'ai quand même envie d'aller me chercher à boire et trucs comme ça, donc... je vais juste revenir vite fait, Et du coup, je reviens dans quelques secondes. Hop. À tout de suite. Il est où mon BRB? BRB, voilà. À tout de suite.